Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Franck Payen, je suis sur la chaîne YouTube Adobe France et aujourd'hui, je reçois monsieur Frédéric Vigneault. Bonjour à toi et bonjour à tous. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui étaient là sur la session du matin sur laquelle on a parlé de détourage à la plume à l'intérieur de Photoshop. Et surtout bienvenue à ceux qui étaient avec nous lors de la précédente session avec Frédéric, puisqu'on a fait un grand tour de qui il était. Ouais. De quel était son métier et de comment il le pratiquait. Voilà, c'est ça. Et puis on a commencé un peu à dessiner les premières étapes de les comment faire étapes une dessinée. Ouais, parce qu'on s'est vraiment posé plein de questions. Toi, comme tu es non seulement dessinateur de bande dessinée, mais que tu es aussi prof. Jean Trubert, à l'école Jean Trubert. J'étais professeur, donc effectivement, je... T'as eu le temps de démonter ton métier, de... Ouais, c'est ça. Et puis de faire en sorte que... de pouvoir expliquer un petit peu les choses. Comment on fait les choses, quel est le cheminement. Alors ça, c'est le cheminement philosophique. Et puis là, on n'avait pas encore abordé trop la partie technique, donc la partie logicielle, jusqu'à présent. Tout à fait. Donc là, je pense qu'on va, on va voir ça, maintenant. On va se plonger dessus dans pas longtemps. Alors pour info, pour ceux qui sont intéressés, je vous remettrai le lien de la session qu'on a donnée. Donc c'était début novembre déjà. Hein. Ouais, c'était début novembre, mais entre-temps il y a eu les grèves. C'est ça, entre-temps on s'est dit que ça allait être compliqué d'aller jusqu'ici. Donc vous retrouverez donc toute la vie de Fred. Oui, c'est ça. À peu près. Tout ce qui est officiellement racontable. Le moment où tu nous partages aussi ton bureau et ton atelier. Ça y est, vous êtes au complet dans l'atelier. Alors, ça y est, on est au complet dans notre nouvel atelier situé à Montreuil. Ouais. Un bel atelier. Donc, on est complet. On ne l'était pas lors de la première session, mais maintenant, on est complet. Ça y est, c'est fait. On va être neuf à l'occuper, donc on va être bien. Bien, c'est une très bonne chose. On en avait profité justement pour regarder ce qu'était Orgal pour les quelques-uns qui n'en avaient jamais entendu parler. Je crois qu'ils n'étaient pas très nombreux. Petit sondage d'ailleurs à main levée dans l'assistance. Est-ce que vous connaissez Orgal? Est-ce que vous connaissiez Fred? Et surtout, est-ce que vous aviez vu la première partie? Merci Stéphane pour les liens, histoire de comprendre un petit peu qui nous suit, qui est là, qui est là avec nous. On va vite voir s'il y a des gens issus du milieu de la BD, en fait. C'est ça. Mais je pense que... Ouais. Bon, je vois déjà quelques noms que je connais. J'ai vu passer une Clémentine. On a Delphine Riel, Pierre, Couleur Vanille, Jean Bûcher, Daniel Thomasin, Stéphane, Baril, TMPX, Zakizi, Clémentine. Clémentine qui est avec vous en plus. Qui est à l'atelier, donc. Alors. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, à ce que ça. Je raconte. Ouais. C'est ça. En tout cas, si vous avez pu voir la session de la dernière fois, vous aurez tout le détail de la manière dont tu construis tes planches. On a démonté des morceaux de neige origine que j'avais fait avec Didier Convard. Non, il n'y a pas tant que ça. Le premier, c'était il y a 7-8 ans, ou une petite dizaine d'années. Ouais. C'est ça. Mais par contre, le dernier, le tome 3, qui clôt donc la trilogie, ça devait être il y a 3 ans seulement. Oui, j'ai pas mal produit ces 3 dernières années. Et notamment le dernier Neige, c'est fait en parallèle du Chris de Valnord. Donc ça fait 2 albums dans l'année. Ouais, ça fait une grosse année. Une grosse année, c'est ça. Et je vois qu'on est rejoint par M. Bruno T. Bruno T. Incognito, mais je sait vois très pas bien qui c'est. Voilà. D'autres, donc grosse représentativité de l'atelier. Ouais. Voilà, et donc on avait avancé là-dessus, tu nous avais bien expliqué la manière justement dont tu découpais tes planches, tes cases. Le découpage, la narration. Toujours essayer de ne pas perdre le lecteur. Faciliter la lecture, on fait de l'inception, de façon à ce que le regard aille bien au bon endroit, que la lecture soit fluide. Qu'elle se fasse sans heurts, et donc du coup pour maximiser le plaisir de lecture, hein, c'est ça notre travail, hein, c'est que la lecture soit facile, hein, et bon, enfin ça c'est quand même assez compliqué à faire, hein. Plus on essaie de faire des choses simplement et plus elles paraissent simples, plus il y a de travail en amont pour pouvoir gérer ça. Il y a Areski qui te dit salut Fred. Ah oui, hello.
Hello. Et on avait vu aussi dans les petits apartés, je sais plus si j'avais mis le lien dans le passage la fois précédente, que effectivement tu utilisais le petit script, la petite série de scripts de Stéphane pour préparer les couleurs en bande dessinée. Ouais, avec la mise en couleur, on voit des cases, où sont les bulles, où sont les bordures, les marges. Ça, etc. Je l'avais feuilleté dans une revue qui était éditée chez Erol. C'est la colorisation de la bande dessinée. C'est ça, qu'il avait fait il y a quelques années déjà, et puis c'était vraiment efficace comme méthode. Tout à fait. Donc j'ai gardé l'organisation, et puis après j'ai adapté à ma sauce. De toute façon, c'est le but. Photoshop, c'est tellement souple qu'au final, en fonction de nos habitudes de travail, on s'organise comme on veut. Tout à fait. Du découpage, des cases. Ouais. Et on s'était arrêté à peu près là, tu vois. On était arrivé au moment où tu avais placé ton premier personnage et tu étais en train de le faire parler. Ah, c'est ça. Donc on avait vu toute la partie avec les bulles, la prise en compte de la typo, du caractère, le fait que tes phylactères se faisaient directement, avec toujours la même épaisseur, toujours le même contour. Ça. Et puis on avait regardé justement ce premier placement. Donc, j'avais fait une bulle autour ou plus, si, t'avais fait une bulle, on était... Une bulle, et on avait vu que ça faisait le contour automatiquement. Tout à fait. Oui, ça faisait le petit contour grâce à un style de calque, c'est ça, où j'avais mis un petit contour d'une dizaine de pixels. Qui se mettait en place automatiquement. Ouais, je sais que je mettais moins de pixels sur les bulles que par exemple sur le tour des cases. C'est ce qu'on fait en tradit. Ouais, histoire de garder la lisibilité dessus. En général, il y a un rotring, c'était un rotring 0.7 pour les cases et un rotring 0.5 pour les bulles. D'accord. C'était ça en tradit. C'est l'époque aussi où on nettoyait les planches et où on n'avait pas le droit de se rater. C'est ça. Alors, il y avait deux méthodes. Soit on faisait la lame de rasoir, soit on mettait de la gouache. Soit on roulait dessus à coup de moto. Soit on faisait une boule et puis on jetait sa planche. Quand on en était au stade des bulles, c'était encore faisable. Ouais, il y avait encore un petit peu de marge. Ouais, c'était jouable. Alors, TMPX me dit, il paraît que c'est pas un métier très lucratif, sauf quelques exceptions. Est-ce qu'on peut vivre de la BD ? Ça dépend des auteurs. Effectivement, il y a des grands sujets en ce moment sur ça. Ouais, en ce moment, c'est... Bon, en fait, vivre de la BD, oui, on peut vivre de la BD. Après, c'est comme tout métier artistique. Mmh. Il faut un certain temps. Il faut s'accorder un certain temps avant que ça commence à marcher. Moi, je dirais une dizaine d'années. Le temps de faire son réseau, de faire ses preuves, de mettre en confiance l'éditeur. Parce que l'éditeur, de toute façon, en général, il signe plutôt des gens en qui ils ont confiance que plutôt la diva, qui est super bon en dessin, mais qui ne produit pas. Donc il y a de la place pour les besogneux, dont je fais partie. Je ne suis pas le plus talentueux, mais je travaille, je suis sérieux. Et il y a de la place pour des personnes comme ça. Mais effectivement, ça se fait sur le long terme. Donc ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas abandonné au bout de 10 ans. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça se calcule. Voilà, c'est comme le loto. Hein. Tous ceux qui ont gagné ont joué, mais tous ceux qui ont joué n'ont pas gagné. Mais il a fallu jouer longtemps quand même. Il a fallu jouer longtemps. Il y a Coup de Crayon qui nous dit, est-ce qu'il y a des tailles de cases adaptées au genre de bande dessinée ? Des tailles de cases. Alors les tailles de cases, j'imagine, c'est tributaire du nombre de strips. Du nombre de strips. Oui, par exemple, dans Tintin, il y a 4 strips, donc ça fait des cases toutes petites. Et souvent, il y a 4 cases par strip, donc on arrive à 16 cases par page, plus énormément de texte. Sachant qu'une BD Tintin, ça fait plus de 54 planches, donc ça fait des histoires très denses. Au contraire, les mangas, il peut y avoir 3, 4, 2 cases par page, mais il y a beaucoup plus de pages. Donc la case, c'est ça dépend du format et de ce qu'on veut raconter. Je pense pas qu'il y ait de... De toute façon, il n'y a pas une norme spécifique. Après, je pense que ça doit se voir. Après, la limite, c'est la lisibilité de la case. Et la lisibilité, c'est le compromis entre le placement des bulles, la taille des personnages, tout ça. Après, je sais pas si c'était vraiment ça la question. Hein. On verra. Moi, j'avais en tête, j'essaye de retrouver vite fait, mais sans mettre la main dessus, tu sais, une planche de Watterson où il expliquait que ces publications de Calvin et Hobbes, avant d'être dans le format planche de BD, en fait, elles pouvaient être soit en strip, soit en plusieurs morceaux qui étaient assemblés. Il me semble que c'était Watterson. De toute façon, c'est beaucoup de gens qui publient dans les journaux américains. A priori, d'abord, c'est plutôt un strip. Et ils coupent à la fin de chaque publication, il y a un suspense. Et après, effectivement, on peut assembler un album, 4 strips, etc. Directement. Et c'est aussi pour ça que... On peut avoir l'habitude d'avoir un petit suspense à la fin d'un strip quand on lit.
C'est venu de là, en fait, tout simplement. Cette manière de gérer la narration. Même RG faisait en sorte qu'à la fin du strip, il se passe quelque chose aussi. Maintenant, c'est plus trop le cas. Il faut, comme on a l'habitude des albums et plus de la publication en strip, il faut au moins qu'il y ait un suspense, qu'il se passe quelque chose en fin de page. En fin de page. On est plus là-dessus. Mais le strip reste tout le temps une unité temporelle, une unité narrative malgré tout. Ouais, on essaie de réunir une action sur un strip. Est-ce que je passe chez toi ? Allez. Je passe sur ton écran. Si tu veux, on passe. Bienvenue. Donc là, vous allez reconnaître le moment où on s'est arrêté la dernière fois. Voilà. C'est-à-dire cette planche. Mais pas avec le dessin que j'avais fait la dernière fois, avec le vrai dessin du storyboard. Oui, parce que maintenant, ça y est, l'album est sorti. Ah, l'album est sorti. Alors, question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont cet album entre les mains ? Normalement, les 2-3 de l'atelier doivent vous dire oui, on l'a sous la main, pas loin. Ou non, mais ils n'oseront pas le dire. Bah, de toute façon, ils l'ont sous la main, c'est ça. Ouais, mais il est sorti début novembre. Quand on s'était vu, je venais de faire l'avant-première, donc c'était tout frais, et puis là, il est sorti, il a passé les fêtes de Noël, et là, je vais le défendre à Angoulême, qui sera à la fin du mois. Ouais, qui arrive très vite, là, c'est dans 2 semaines, très, même pas. Très vite, ouais. Mais la fin de semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc j'y serai. Bien, c'est une bonne chose. Donc pour ceux qui seront à Angoulême, Stéphane Baril, qui est avec nous, sera aussi présent. Si vous voulez avoir des trucs et astuces sur Photoshop, il sera sur le stand de Wacom, comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'il est très très bien sur ce genre de domaine. Voilà. Ouais, et puis moi aussi, je ferai un petit tour sur le stand Wacom. Voilà, une petite démo, et une petite séance de dédicace aussi sur le stand Wacom. Ouh là là, très bien. Et puis pour les fans de Torgal, il y aura une petite surprise aussi en visuel sur le stand Wacom. Voilà. Bon, on n'en dit pas plus. Ouais, parce que là, il y a du spoil. Comment t'as appris l'anatomie pour tes personnages modèles vivants ? Comment j'ai appris l'anatomie ? Ben, en observant, et puis, comme je l'avais dit précédemment, j'ai pris des cours du soir à l'époque, à l'école Jean Trubert, qui était plutôt organisée en cours du soir à l'époque où je l'ai faite, qui maintenant est une véritable école. Et il y avait le mercredi soir cours de modèles vivants. Donc je faisais du modèle vivant. J'en ai pas fait tant que ça. Après, c'est plutôt du dessin d'observation. Moi aussi, je lisais beaucoup Strange à l'époque, qui était le comics. Donc Spider-Man, Rome. J'aimais bien Rome, le chevalier. Et donc je m'inspirais de ça, je copiais. De toute façon, au début, en dessin, on copie. De toute façon, ça nous fait des références, des codes graphiques, et puis après, on les digère et on développe son propre style. Donc je faisais ça. Modèle vivant, ça c'est indispensable parce que ça permet, à contrario par exemple, de dessiner, de copier des magazines, c'est déjà de la 2D, donc ça a déjà été digéré par quelqu'un et ça a déjà été aplani. Alors que quand on fait du modèle vivant, on a le modèle en 3D et c'est à nous de le traduire dans un espace qui est en 2D au final. Ouais. Donc on passe de la 3D à la 2D et c'est là que se pose toute la problématique des raccourcis. De la position des bras, quand on les voit en perspective vers nous, qu'on appelle un raccourci, et c'est toute la problématique du modèle vivant, le raccourci. Et c'est très difficile. Moi, je sais que par exemple, un raccourci en bande dessinée, j'évite de trop les employer parce que quand le lecteur n'est pas habitué à décoder ce genre de morphologie, quand on voit un membre qui est placé vers nous, donc il est raccourci. Il est en perspective, et c'est vrai que ça peut être dérangeant, c'est pas forcément décodable par des gens qui n'y sont pas habitués. Donc, ce sont des astuces de dessin, donc j'évite le raccourci. Je sais que les comics l'utilisent beaucoup. La sortie de case. Ouais, la sortie de case, ce genre de choses. Moi j'évite là-dessus, et c'est effectivement dans Torgal, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait. On n'a pas forcément de gros plans. Donc, on en était où ? On en était au storyboard, et j'étais en train de placer mes bulles. C'est ça. Donc on avait vu le placement du texte dans une zone de texte, et il me semble que je parlais du fait, au niveau de la césure, je sais que les articles, t'essayais de lier l'article et le mot. Alors, ce qui se passe, là, je sais pas si on regarde... T'as pas la typo installée peut-être ? Si, normalement j'ai la typo.
Mais peut-être qu'il a... Alors, modification du rendu texte, sinon... On va dire OK, on va voir. Ah oui, c'est... la typo n'est pas forcément... Ouais, elle n'est pas montée. Hein. Alors... moi, j'essaie que je sais que au niveau de la justification du texte, j'essaie de passer à la ligne après un point d'exclamation ou après après la ponctuation, et j'essaie surtout en fin de ligne de ne pas laisser d'articles ou de mots courts, de petites particules. Et j'essaie plutôt de mettre les petites particules en bas, comme par exemple si on regarde le hop ici le que. Ouais. J'aurais pu le mettre en haut, là, mais par exemple, je le fais pas, parce que ça ne fait pas... Ça permet joli. D'équilibrer, la, ça d'équilibrer permet le pavé de texte. D'équilibrer, hein. Et de ne pas avoir juste un petit terme en fin de ligne. Et puis, j'essaie de faire quelque chose, puisqu'à l'origine, les bulles, ce sont vraiment des bulles, ce sont des ellipses, on a l'habitude que la ligne du milieu soit plus longue que celle du haut ou celle du bas. Donc j'essaie de rester dans ce type de schéma. Voilà. Ouais, carrément. Alors... Je rappelle mes petits calques. Donc, ce qui se passe, on avait fait les bulles, mais je ne sais pas si vous voyez, en bas, là, cette bulle ici, elle n'est pas très propre, c'est-à-dire qu'elle mange, dans les marges. Dans les marges. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai fait toutes mes bulles, donc là, ce sont les bulles du storyboard, donc elles sont pas super clean. Une fois que j'ai fait toutes mes bulles, comme dans un calque qu'on voit ici, j'ai mes bordures et marges. Et ben, je duplique. Alors, je duplique. Édition. Hop. Alors, si je vais dans marge, dupliquer le calque. Je duplique le calque des bordures et marges. Je le mets au-dessus des bulles, je ne sais pas si vous voyez, mais là, à ce niveau-là, on est sur ton écran. C'est repassé par-dessus, mais par contre, je vais enlever les effets, ce qui fait que ça me fait une bulle toute propre, avec du blanc dans la marge. Donc, une fois que j'ai fait ça, pour moi, la partie storyboard est bouclée. Je ne vais pas aller plus loin. L'étape suivante, c'est donc l'ancrage. Donc l'ancrage, moi, je le fais dans un autre logiciel. J'utilise Ukrita ou Clipart. Mais avant ça, comme je le faisais en tradi, je vais transformer ce storyboard en bleu. Ce que j'appelle un bleu. D'accord. Quand je faisais au pinceau, ce qui se passe, c'est que le storyboard, je l'imprime en bleu et j'ancrais par-dessus en noir. Donc directement, tu reprends le... Ouais. Ça te permet quoi, justement, d'être sur le bleu? Vas-y. Ça permet sur le bleu. À l'origine, pourquoi c'était fait? Parce que, tout simplement, le bleu ne passait pas à la photocopie à l'époque. Donc, on n'avait pas besoin de gommer le bleu. Il suffisait de photocopier sa planche en noir et blanc avec le bleu pour n'en tirer que le noir. D'accord. Donc, ça permet de... Il n'y avait pas de retouche particulière à gérer. Pas de retouche. Là, maintenant, que ce soit une imprimante ou un scanner, on peut capturer le bleu. Il n'y a plus de photocopieuse, donc ça n'a aucun intérêt par rapport à ce premier facteur. Mais c'est toujours utile pour différencier justement le trait de crayon, c'est-à-dire le bleu du noir. Parce que si on reste en niveau de gris, même visuellement, nous, ça va être un peu... le gris un petit peu foncé va se mélanger à l'ancrage et on va plus trop savoir où est-ce qu'on en est. Donc moi j'ai imprimé en bleu et donc j'ai gardé cette habitude et dans le logiciel dans lequel j'ancre, je passe d'abord le storyboard en bleu. D'accord. Et après j'ancre par-dessus. J'ancre par-dessus et ça te permet justement puis ça te donne toi un niveau qui sera plus facile à... Plus facile à voir, effectivement. C'est ça, c'est pour une question de visibilité. J'ai pas besoin de gommer. Je sais que le bleu c'est le story, le noir c'est l'ancrage. Et après, je sépare ces deux couches, c'est-à-dire le bleu et l'ancrage, et je le réimporte dans Photoshop. D'accord. Donc là, on va sauter l'étape l'étape ancrage. Ceux qui attendaient l'ancrage, vous avez tellement dessus. Je vais retirer ancrage dessus, et je vais garder juste couleur. Voilà, c'était un beau. Une belle accroche, mais... Et donc, du coup, je garde le même fichier
et je substitue l'ancrage à la couche de storyboard. Mm-hmm. Sachant que le storyboard, il a été fait en 300 dpi, ouais. Mais par contre, l'ancrage, c'est du 1200 dpi. D'accord. Donc j'augmente la taille de l'image. Mm-hmm. J'exporte depuis le logiciel dans Photoshop l'ancrage. Ouais. Et je le réimporte dans le storyboard, ce coup-ci, en 1200 dpi. Et on a ce genre de choses. Voilà. Ah bah oui, c'est tout de suite mieux. C'est tout de suite mieux. Donc si j'enlève. Hop, voilà ce que c'était avant. Mmh. Alors on peut voir que je me permets bien sûr de ne pas respecter le storyboard. Ouais. C'est bien la peine de l'avoir fait. C'est bien la peine de l'avoir fait. On voit que le cadrage, on est un petit peu plus éloigné sur le dessin final par rapport au storyboard. J'avais besoin de ça parce que de toute façon c'était un plan d'ensemble, donc mm-hmm. C'était surtout de l'ambiance. Je trouvais que c'était trop serré sur les barques. Si on regarde. Parce que t'as toujours cette problématique de regarder justement à la fois ta case, mais aussi de regarder dans la planche comment ça va être contrasté avec le reste. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est important de bien différencier les plans. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer là sur ce type d'ancrage ? J'ai un ancrage qui n'est pas ce qu'on appelle fermé. C'est-à-dire que si on regarde par exemple les montagnes là-haut, le trait est totalement discontinu. Même ici, les arbres sont à peine ébauchés. Il y a plusieurs niveaux de profondeur. Donc, il y a les arbres qui sont plutôt loin, c'est pas utile de les détailler. De toute façon, la couleur, on va mettre des nuances, nuances, ce que j'appelle des petites pétouilles pour montrer qu'il y a un petit rythme, lumière, qu'il se passe quelque chose. Et après, petit à petit, on arrive vers les premiers plans, et ils sont de plus en plus détaillés. Mais malgré tout, moi, j'ai ce qu'on appelle, j'ai un ancrage touffu. Donc j'ai plein de petits traits dans mon ancrage. C'est pas des grands aplats. Voilà, c'est pas des grands aplats, c'est pas des grandes lignes, hein, c'est pas de la line. Hein, c'est vraiment plein de petits traits qui simulent tous les modelés ou les matériaux, les fourrures, la paille, etc. Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu arrivais à gérer en tradi? Ou est-ce que tu as pu le faire parce que tu es passé en numérique? Non, je faisais... En tradi, j'avais exactement le même graphisme. D'accord, ouais. Maintenant, c'est plus rapide en numérique. Oui. Après, j'ai eu plusieurs graphismes sur Time Twin. C'était vraiment du plein et du délié au pinceau. Ouais. Donc, j'avais pas ce style touffu. Mais là, ça permet, malgré tout, le numérique de libérer, de tenter des choses... de lâcher le trait en se disant c'est pas grave, je vais annuler. De toute façon, tu peux annuler, éventuellement tu peux rezoomer ou redézoomer dessus. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être que tu le fais moins pour avoir la consistance. Justement, pour rester similaire à du tradit, il faut pas trop zoomer. Parce que, après, moi j'ai une habitude, peut-être le lecteur au final, il le voit pas trop. Ouais. Mais on voit quand c'est fait en numérique, quand justement il y a trop de détails. Quand la personne a zoomé et quand elle a défini. Elle a trop défini les visages ou elle a trop défini certaines zones parce que de toute façon, avec un pinceau ou un crayon, on est limité. On ne va pas faire des planches en A0 juste pour avoir en détail. Ouais. On est sur du A3, du A1, maximum du A2. Donc, on est limité en termes de détails. Et ça se voit tout de suite si en numérique, on a tendance à mettre un petit peu trop de détails. Et ça se voit que c'est du numérique. Donc, il faut rester... sur le zoom. Faut faire attention, moi je sais qu'en fonction des logiciels, je suis à 33 ou à 50% de zoom. D'accord. Mais je ne vais pas plus. Ouais. Parce que si je vais plus, en fait, il faut qu'à 50% ou à 33%, ce soit lisible. Du coup, ça permet toi de valider les contrastes sur ta planche, sur ton trait, d'être sûr que des éléments de décor, comme on le voit dans le fond, vont être moins importants que tout le ponton, etc., sur lequel on sent déjà toute la partie contraste, construction des ombres, construction des lignes de force sur le dessin. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a aussi le pixel. C'est-à-dire qu'en papier, il n'y a pas de pixel. Donc le trait est extrêmement bien défini. Ouais. Là, on est limité par la lisibilité de l'écran. Même si on a l'impression avec les écrans LCD que les pixels sont super bien définis, au final, une fois imprimé, ça peut être très très pauvre en termes de dessin. Ça peut être mal défini. Donc à 50%, si c'est bien défini, c'est que ça le sera bien sur du papier, qui a une meilleure résolution que les écrans. Enfin, les écrans d'ordinateur. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on a notre petite louve ici.
Je zoome un petit peu pour montrer un petit peu la qualité du trait. On voit par exemple que c'est du tradi, parce que là, c'est du numérique, mais j'essaie de faire en sorte que c'est du trait, soit du tradi, je triche. Ici, il y a des zones un petit peu, on pourrait croire que ça a été gommé. Là, il y a du trait un petit peu sec. Il y a de la texture sur l'ancrage. Bon, je zoome, on peut voir. Après, si on zoome trop, on voit les artefacts numériques, mais à une certaine distance, et après, quand ça va être imprimé, on verra plus du tout. On n'arrive plus du tout à lire. On discerne plus. Même déjà à cette taille, on se demande si c'est du... On peut se demander si c'est du tradi qui a été scanné ou si c'est du numérique. Donc, alors, une fois que j'ai fait mon ancrage... Là, on ne va plus parler d'ancrage, on va surtout parler, parler des couleurs. La couleur, c'est une phase assez importante, parce qu'au final, moi qui aime bien le dessin, je préfère le noir et blanc, voir le travail noir et blanc, donc je me satisferais d'une bande dessinée qui serait faite juste en noir et blanc. Mais au final, le grand public, lui, il est... il aime bien la couleur, donc ça rajoute beaucoup, et ça rajoute beaucoup quand même, malgré tout. Ça rajoute beaucoup de boulot aux coloristes. Ça rajoute beaucoup de boulot aux coloristes. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui de l'atelier, là, qui... Ouais, bah on a vu qu'il y avait Bruno qui était là. A priori, Didier demande si t'attends pour déjeuner. Non, je sais pas. Non, de toute façon, on mange ensemble, donc... Désolé, on m'attendait pas. Voilà. Donc, la couleur, c'est très important. Donc, il faut faire... soit on est bon en couleur, on s'en occupe. Ouais. Soit il faut faire confiance. Il faut être capable de déléguer. Il faut être capable de déléguer et puis il faut faire les bons choix. Il y a de très bons coloristes actuellement en bande dessinée. Mais après, c'est vrai que si on tombe, ça peut totalement plomber un album. C'est extrêmement important, la couleur. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas valorisé à sa juste valeur en bande dessinée. Ça serait bien que ce soit un petit peu plus valorisé. On commence à voir le nom des coloristes sur les couvertures d'albums. Ça commence à rentrer un peu dans les mœurs chez les éditeurs. Et puis il y en a vraiment en plus qui sont extrêmement demandés. Il y en a une douzaine de vraiment. Après, on est au-delà des 10-12. Là, c'est vrai qu'on est dans des choses très très classiques. Après. Parce qu'il faut s'adapter, au niveau de la couleur, il faut s'adapter au style demandé, au style de dessin. Et puis en plus, il y a le desiderata du dessinateur qui repasse derrière. Qui revient en disant, tiens, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais. Alors, mais en général, il y a quoi? Il y a des planches d'essai en amont, on se dit, tiens, à quoi ça va ressembler derrière? Alors, c'est ça. On demande des planches d'essai. Alors, à part quand on connaît le coloriste ou la coloriste. On connaît ses styles, on sait que ça va convenir, donc on lui confie le boulot. Mais sinon, effectivement, ça peut passer par des planches d'essai qui sont ou pas payées, mais il vaut mieux que ce soit payé, c'est mieux que ce soit payé. Ils vont passer une ou deux journées à faire les essais, donc il vaut mieux que ce soit rémunéré. Et après, moi, ce qui se passe, ce que je fais, c'est que je fais une bible graphique en indiquant pourquoi j'ai placé la lumière comme ça, ce que je veux, l'ambiance. De temps en temps, sur des scènes un petit peu particulières, je place mes modelés. Je fais en niveau de grille, en valeur, je fais la planche en valeur pour faciliter un petit peu la compréhension du placement des lumières. Et donc, je fais un petit document d'une vingtaine de planches que j'envoie au coloriste, et puis après pour qu'il il le digère, mais au moins il a ça comme référence, ce qui évite les écueils. Ce qui évite de se faire trop d'allers-retours sur le début, le moment où on se calibre l'un par rapport à l'autre. C'est ça. Et puis après, moi, comme j'ai l'habitude de faire de la colo, je faisais toute la colo sur neige, sauf le dernier, c'était Bruno Tati justement, qui avait géré. Le fameux Bruno Tati qui avait géré la transition, puisque je m'occupais de Chris Devanor et j'avais plus le temps. En fait, comme j'ai une sensibilité colo, moi, quand le coloriste m'envoie les planches, plutôt que de faire un texte, là, ça va pas, il faudrait que tu... Enfin, ça va pas, ou je préférerais que ce soit autrement. Je prends mon pinceau, je dessine dessus, je corrige, et puis après, je lui dis, moi, voilà, je vois les choses comme ça, si ça te va, tu gardes, sinon, tu refais, et voilà. Plutôt que... En fait, c'est beaucoup plus rapide de corriger, enfin, pas de corriger, de montrer ce qu'on veut plutôt que de démontrer par de l'écrit. Oui, bien sûr. Donc, une fois qu'on a fait l'ancrage, on passe aux couleurs. Alors, la colo, je vais charger mon fichier colo qui est ici. Pour la colo,
Le fichier noir et blanc d'ancrage était en 1200 dpi. Mm-hmm. Ça fait beaucoup quand même pour un album. Ouais, c'est ce qui fait beaucoup. Donc, pour la colo, on passe en 300 dpi. Ah. Parce que la colo et le noir et blanc vont être imprimés de façon différente. C'est-à-dire, le noir et blanc va être imprimé en 1200 dpi. Mm-hmm. Mais toute la partie colo va être imprimée en 300 dpi. Ça peut monter jusqu'à 450. Mais en général, c'est 300 dpi. Donc, j'ai transformé mon fichier en 1200 dpi en 300 dpi. D'accord. RVB. Parce que moi, je travaille en RVB. Donc, il va y en avoir qui... Bon, il y en a qui disent que c'est mieux en CMJN, ce qui est pas faux. Ça dépend des besoins, je pense. Ça dépend des besoins. Pourquoi, à l'origine, on travaillait plutôt en CMJN ? Parce qu'on voulait avoir la possibilité de régler finement le noir. Mm-hmm. Parce que on n'utilisait pas de noir dans la partie couleur. Bien sûr. Donc, on pouvait régler la couleur... avec uniquement les trois composantes. Juste les trois composantes. Et l'ancrage était essentiellement le noir. Ouais. Donc, on pouvait éloigner un petit peu les couleurs, les affadir un peu, les saturer. Mais maintenant, comme ce sont des couleurs extrêmement complexes, mm-hmm. qui sont beaucoup plus complexes qu'avant, il y a souvent du noir dans les couleurs. Donc, c'est vrai que le CMJN, maintenant, la question se pose, puisqu'on ne peut plus séparer ce noir. Après, quand on est chez l'imprimeur, on peut plus ajuster le noir sans toucher à l'ancrage. Du coup, moi, je travaille en RVB. D'accord. Je préfère travailler en RVB. Et puis, comme ça, on a aussi accès à certains filtres qui ne sont pas accessibles en CMJN. Tout à fait. Notamment les recherches de couleurs. Qui sont intéressants. Donc voilà, alors, ma planche colo, du coup 300 dpi, j'ai éliminé les textes dans les bulles, puisque de toute façon, on donne la couleur... l'ancrage et les textes séparés sur trois fichiers. Pourquoi ? Ben, le texte est pour qu'on puisse faire les traductions après. Tout à fait. Donc voilà, il est comme ça. Ma première étape, je ne sais pas si vous voyez comment c'est organisé. Donc j'ai un calque fond, un calque décor, un calque perso. Mm-hmm. Après j'ai des textures, j'ai bu les marges et j'ai l'ancrage au-dessus. Donc l'ancrage, voilà. Donc à l'origine c'est comme ça. L'ancrage, il est là. Et donc, on démarre. Donc, ce que je fais en premier, c'est je fais mes bulles et mes marges. Donc, avec la baguette magique, qui est ici, baguette magique. Il appuie fort dessus, il le prend. Ah ouais. Alors, c'est outil baguette magique. Hop. Sinon, j'avais W. Donc, je me mets dans la couche d'ancrage et... Tu vas récupérer directement. Voilà, je récupère. Alors, comme j'ai fait ça proprement, ça m'a bien pris mes marges. Il peut y avoir des fuites si dans les angles on n'a pas mis d'ancrage. Donc, il peut y avoir des fuites. Je capture aussi mes bulles. Tu posais une question bête peut-être, mais est-ce que tu as fait varier pendant l'ancrage les sélections de ce que tu avais fait sur le premier cadre ? Sur le premier fichier, pardon. Sur le fichier au niveau du storyboard, il y a des choses de l'ancrage que tu as refait, que tu as redessiné les cases et tout. Alors, tu n'es plus au pixel près dessus, c'est ça ? Non, en fait, j'ai redessiné, par exemple, les flèches de bulles. Mmh, ouais, pour que j'ai redessiné, pas d'accident. Et alors, j'ai pu, des fois, le faire à l'ancrage, des fois, je l'ai fait en numérique. Mmh. Donc, c'est un mélange de plein de trucs. D'accord. Donc, D'où la resélection. Et puis, le fichier est totalement aplati. Ouais, d'accord. Mais en fait, ta question est intéressante, parce que j'aurais pu conserver les autres calques. Mais en fait, j'ai totalement aplati le fichier, parce que je l'ai passé en bitmap, pour qu'il soit bien propre. Pour éliminer justement tous les petits coups de gomme que j'avais laissés, les trucs qui faisaient tradis. Ouais. Et comme c'est en bitmap, ça aplatit tout. Ouais. Alors, je continue. Il y a des petites bulles de pensée. Là, tac. Il y a Axe qui nous rappelle que l'offset en imprimerie a beaucoup évolué avec des machines à 4 et plus de couleurs qui aident beaucoup plutôt que de passer sur la même feuille 4 fois sur une monocouleur. C'est ça. Avec tous les risques aussi d'avoir le papier qui se déforme au fur et à mesure. Là, le Torgal, il était imprimé. Avant, il y avait 3 feuilles ou 4 feuilles de 8 planches. Là, c'est une seule feuille, recto verso, 16 et 16. Elle passe en 2 fois. Ouais. Il y a 6 bains. Donc, on voit la feuille qui part, hop, et à la fin, elle revient, et elle est imprimée en aller-retour. Alors, je me mets dans bulles et marges, et je peins en blanc.
finis du pain, tu vas remplir. Ouais, s'il veut bien. Ah oui, mais là, je suis en dégradé. C'est le G, c'est le H. Ouais, c'est toujours pareil, en fait, ce truc. J'avais aussi le souci la dernière fois. Ouais, c'est comme si tu avais un demi-clic dessus. Allez, hop, je peins. Hop, donc là, j'ai mes bulles, j'ai toutes mes bulles, toutes mes marges dans un calque. Mmh. Hop, je vais verrouiller pour pas faire de bêtises. Comme ça, c'est fait. Je remets l'ancrage par-dessus. Et là, je vais m'attaquer au fond. Le fond, qu'est-ce que ça va être? Là, principalement, ça va être le ciel. C'est-à-dire là où il n'y a pas de décor et là où il n'y a pas de personnage. Donc le fond, je vais globalement le mettre en bleu. Alors, je vais prendre un bleu pas trop saturé. Hein, Est-ce que tu as en amont déjà des planches sur lesquelles tu travailles tout le temps? Déjà des couleurs que tu connais par cœur, que tu as déjà utilisées? En général, la première planche, pas forcément, mais effectivement, sur les planches suivantes, je pipette pour avoir les mêmes couleurs de personnage pour les aplats. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est surtout les aplats, là, pour l'instant. Voilà. Je désélectionne, parce que j'avais une sélection. Et voilà. Donc là, j'avais oublié une bulle. C'est ça. Au moins, tu le vois tout de suite. Là, on le voit tout de suite. Donc, je déverrouille. Je reviens en blanc. Voilà. Donc là, je vais quand même regarder. Des fois que je n'ai pas... J'ai oublié des trucs. Il laisser d'autres dans le vaille. Ouais. Les petites pétouilles, là, ici. Pareil. C'est ce que j'allais dire sur les bulles du nuage. Ouais. Hop. Donc là, je pense que je suis à peu près bon. Si on regarde, je n'ai rien oublié. Donc, on voit bien que le fond, il passe derrière tout, en fait. Ouais, hein. J'ai juste peint. Après, si on regarde, on a ça. Et après, en mode produit, on a l'ancrage. Voilà, bon, ça c'est tout simple. Donc maintenant... Par gain de temps, je ne vais pas m'occuper de... Je vais pas faire la couleur de la première case. Hein. Parce que ça serait sport, mais ça va être un peu... Donc je vais m'occuper de Louvre, hein, et puis ça tombe bien parce qu'on est sur cette case depuis le début. Il y a comme de la continuité. Hein. Pour ceux qui auraient des questions techniques sur tout ce qui se passe avant dans la BD, n'hésitez pas à revoir la session de la dernière fois. Tu avais été très précis, très limpide sur plein de sujets dedans. Alors, je m'occupe des décors. On va passer sur les aplats des décors. Donc là, et puis en plus, ça m'arrange, parce que le décor de cette case, de ce gros plan, il y a juste un petit bout de voile à droite. Ouais. Voilà. Bon, sur la première, c'était un petit peu plus sport. Il y avait quand même beaucoup plus de décors. Mais en contrepartie, il y avait moins de personnages. Donc, faut choisir. Hein. J'ai fait un choix. Donc, je prends l'outil, lasso. Hop, et je vais sélectionner... ma voile. Voilà, si j'ai pas été précis, tu reprends. Je reprends avec Alt ou Shift, j'enlève, etc. L'intérêt, c'est d'être bien sous le trait noir. Faut pas qu'il y ait de petits trous. Toujours. Là, la voile. Bon, on va dire qu'elle est un petit peu crème, couleur crème, très légère. Voilà. Question technique de Bruno, est-ce que tu as un calque de soutien? Le calque de soutien, au final, on pourra le mettre. On pourra en parler. Alors, le soutien, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais on parlera peut-être. On parlera tout à l'heure, on se fait un point technique sur le calque de soutien. Ouais. Bruno, n'oublie pas ta question à la fin, au cas où nous, on aurait oublié de le mettre. Enfin, nous. Voilà. On aurait oublié de le mettre. Voilà. Alors, je suis dans le calque décor, donc j'ai fait ma voile, vous voyez, c'est comme ça, sans ancrage. Là, je vais passer décor. J'ai plus d'autres décors. Le reste du décor, il sera juste au-dessus du fond, puisque ce sera des nuages ou ce sera un ciel qui sera pas homogène. Donc, décor, je n'ai que ça. J'ai des pisseaux d'écran. Ouais, d'écran, c'est normal. Une fois de temps en temps, ça bouge et pour l'instant, je les vois pas de l'autre côté. Ok, ça marche. Donc, je vais passer au perso. Donc, les persos, toujours au lasso.
pour l'instant, je m'occupe de la silhouette générale des persos. Donc, je vais essayer de délimiter tout ça proprement. Les poils, je fais au mieux. Hop. Ça, on verra après s'il y a des trous. Hein. Je ne sais pas si le lasso, on voit bien ce que je fais. Hein, mais... Parce qu'on peut aussi délimiter ça au crayon, hein, mm-hmm. plutôt qu'au lasso ou au pinceau. Ce qui est plus lisible à l'écran, là, je ne sais pas si on voit les petits pointillés de délimitation. Je ne sais pas si... C'est quand même tout petit. Hein. Ouais, ça a l'air de passer un petit peu, de toute façon. Les... Ouais. Alors, je ne sais pas si tu utilises, toi, de temps en temps, la sélection rapide, le Q. Non, je n'utilise pas. Si tu fais juste Q. Q. Ouais. Q. Le fameux Quick Mask. Ah oui, d'accord. Comme ça, ouais. tu le vois direct. Je vois direct, ouais. D'accord. Et après, tu repasses en Q. Si, en fait, c'est avec Alt aussi. Alt sur le calque, non, c'est ça? Alors, Alt sur le calque, tu vas avoir juste ton masque. Mais là, ouais. du coup, tu as l'avantage donc, de passer, d'alterner entre une sélection okay. d'accord. et ça marche. Et un masque. Ah, c'est cool, ça. Ce qui permettrait aussi d'aller, de faire des nuances. Si jamais tu te rends compte que tu as besoin d'une nuance particulière, tu peux tout à fait la récupérer via ça et un pinceau. D'accord. Et il y a Clémentine qui se propose comme aplatiste. Ouais. Alors, dans tout ça, là, je me suis aperçu que j'avais paumé ma première section. Le shift avec le Q. Ah non, attends. C'est juste Q. C'est juste Q. Après, ah oui, en fait... Du coup, okay. après, tu peux peindre ou remplir. Ah, ok, ça marche, ok. Ouais. Ça garde le... Ouais, ok. Ouais, okay. Du coup, ça permet vraiment d'isoler les éléments. C'est une nouvelle techno pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait là ? Non, c'est parce que j'ai fait Alt, j'ai pas fait Shift. C'est bon. Non ? Alors, ah oui, regarde, t'es en remplissage. Je suis en remplissage. T'es pas en sélection, t'es pas en lasso ? Ouais, je suis plus en. Ah oui, du coup le cul remplis, en. Oui. Ah, attends, alors. Allez. Donc tu fais ton lasso. Je refais mon W. Ouais, c'est bon, on est bon. Hop. Donc une fois que tu as ton lasso, là tu peux faire du remplissage. Alors moi souvent ce que je fais c'est du Alt effacé par exemple. Attends, je regarde ton truc. Ça me perturbe ton cul. Ok. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Hop. Ah mais non, voilà, il me le... Pareil. Qu'est-ce qu'il me fait ? Alors je recommence. Si je fais ça, W. Alors attends, ou alors il est en mode. T'es sur quel outil ? Je suis. T'es pas en baguette magique, t'es en sélection rapide. Ouais, c'est en L, pardon. C'est en lasso qu'on cherchait. C'était. Voilà, c'est ça, c'est le lasso depuis le début. Hop, c'est lasso, voilà, c'est pour ça, tout simplement. Hop, on est bon. Là, il te fait bien la sélection que tu attendais, mais comme de toute façon, les gens ne voyaient pas le. Mais non, ils ne le voyaient pas. Ça y est, on est bon. Tout va bien. Tout est bon. Alors, ça va être un petit peu long. Hein. Donc là, on peut faire ça. Après, tu peux le remplir si tu veux. En fait, ça dépend si tu veux voir ou pas ta sélection. Si tu veux aller la travailler finement. Si attends, tu fais du... Ouais, je fais plutôt du... Ouais, ok. Ah, ouais. Là, je comprends. Travaille à ta méthode. Je et fais, quand tu as besoin, ça, tu fais un coup de... Je viens de comprendre ton truc. Enfin, ça se met pas à jour automatiquement. Non, parce que justement, ouais, l'idée, c'est vraiment d'y aller... À la limite, ce serait d'y aller au pinceau. D'y aller au pinceau, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment pour du détail, pour des bords. Ça marche. Ça, il faut m'expliquer longtemps, mais c'est bon. Non, mais c'est... Hop. Moi, c'est tellement rodé qu'effectivement, après, on a tellement d'habitudes. Mais c'est bien de changer ses habitudes un petit peu. De découvrir d'autres trucs, parce que parfois, je vais vouloir te montrer un truc, et en fait, tu vas choper autre chose dedans. Quick Mask, c'est pour peindre la sélection, comme le dit Stéphane. Avec un ancrage ouvert, c'est pas plus rapide de peindre directement sans délimiter les zones, demande coup de crayon. Si. En fait, il y a deux méthodes. Là, j'ai fait avec la sélection. On va voir tout à l'heure. Je vais faire avec le pinceau. Avec le pinceau directement, quand t'es sur des poils. Alors, ouais, exactement. Mais là, pour le pourtour, je préfère avec le lasso. Après, c'est vrai que le problème de ça, c'est que si on rate sa sélection, bon. Ouais, t'es obligé de refaire. Voilà. Ok.
Alors, c'est parti. J'ai. Donc là, quelle est la matière prépondérante là-dedans? On va dire que c'est la peau de louve. Alors, hop. Alors là, pareil, est-ce que tu as déjà une valeur particulière que tu connais? Non, là, pour l'instant, de toute façon, je commence l'album avec une et après, je pipette. Là, on est sur la première. Mais effectivement, la peau, faut pas que ce soit trop rose, faut pas que ce soit trop orange. Mm-hmm. Donc, on choisit une valeur pas trop vers le rouge, le carmin, vers l'orange, juste entre les deux. Mais par contre, on désature un petit peu pour que ça fasse un petit peu brun et pas rose. Ouais, c'est la magie des 25-26 degrés dans les, ouais, dans les teintes de saturation. C'est ça. Ça marche à tous les coups, quelles que soient les peaux. Hop, la désaturation. Hop. Et là, je peux... Alors, du coup, là, est-ce que j'ai oublié des petits bouts? Ouais, j'ai oublié des petits bouts un petit peu partout. Donc, je vais me mettre avec le pinceau, mais par contre, un pinceau un petit peu dur, parce que sinon... Hop. Dynamique de forme. Pendant ce temps-là, Stéphane nous a republié les tutos sur son extension pour Photoshop pour préparer et optimiser les planches. Pour ceux qui n'auraient pas vu passer, hein, tout ça, ça a lieu dans le chat qui est disponible à côté de la session. Donc ne soyez pas perdus et revenez voilà, compléter votre expérience. C'est du live avec des liens. Hop, je clean un petit peu à certains endroits. C'était pas très beau. Petit coup de... De gomme aussi, si je vois la... Baptiste aime beaucoup ton ancrage. On dirait vraiment l'effet d'un crayon gras. Est-ce que c'est pour ça que tu es encore sur Krita ou est-ce que c'est pour d'autres... Non, c'est pour ça que je suis sur Krita. Ouais, parce que... Tu n'as pas retrouvé l'équivalent au pinceau Non, j'ai pas retrouvé. Et puis surtout, le logiciel gère vachement bien l'impression. C'est-à-dire qu'avec la même forme, on peut faire quelque chose de très très fin et de très très gras. Très, très épais. Il y a énormément d'amplitude. D'accord. Bon, là j'y suis à peu près. Donc j'ai ma silhouette. Hein. Donc s'il y a plusieurs personnages, ben, je fais plusieurs zones de base comme ça avec une seule couleur. Ce qui me permet d'avoir la silhouette générale. Et après je verrouille les pixels, la transparence des pixels. Et je vais travailler dedans. Comme ça je vais plus déborder. Hein. Je peux y aller quand même. Comment ça goûte, et puis... Alors, j'y vais. Je vais faire le pelage du petit singe, donc ça va être une sorte... Ça va être un petit peu plus marron, mais toujours un tout petit peu désaturé. Donc je vais aller là-dedans, peut-être un tout petit peu plus jaune. Alors, je vais prendre ça. Et là, je vais peindre. Donc là, je peux y aller... Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il a des petits raccourcis de points et égal qui lui permettent d'augmener ou diminuer la taille du pinceau. C'est ça. Hop. Ici, je vais mettre la peau de la petite guenon. Je vais faire une sorte un petit gris rose. Ici. Par contre, je dois voir majuscule de... Ah oui, c'est parce que j'ai majuscule. J'avais un viseur et j'avais pas la taille de... T'avais pas la taille de ta brosse? Ah, j'avais pas la taille de ma brosse, ouais. Donc ça, c'est le caps lock, le verrouillage majuscule quand il est appuyé. Effectivement, ouais, vous avez ça. La petite croix. C'est le fameux pointeur précis. C'est précis, mais c'est pas pratique pour ça. C'est ça. Hop. Le petit singe, il y a juste ça. Je vais m'occuper de la fourrure de louve. Hop. Bon, là, on est plutôt dans des marrons, hein, globalement. Là. Et puis le gros intérêt, c'est effectivement, comme tu as verrouillé les pixels, là j'y vais. Transparent, là, tu peux y aller. Je fais ce que je veux. Là. D'où la question tout à l'heure qui était intéressante. Là j'y vais. Hop. Sous les cheveux, j'essaie toujours de mettre une sorte de bleu marine pour qu'il y ait au moins de la couleur sous les cheveux. Hop, ici. J'ai débordé, j'ai récupéré.
Ouais. Les couleurs des cheveux de Lucky Luke. Les fameux reflets. Les reflets. Blancs et bleus. Hop. Là, il y a des petits traits blancs. C'est bien, ça serait bien que ce soit bleu. Hop. Ici. Les yeux, je vais mettre un petit peu de blanc. Après, la pupille, on verra plus tard. Les lèvres, une petite différence par rapport au teint de peau, un petit peu plus rosé. Sachant que comme ce sont des aplats, on peut les modifier à tout moment. Et quand on verra tout à l'heure, les couleurs ne sont pas forcément définitives. Là. C'est vraiment les aplats, hein. C'est la couleur de base. Oui, parce qu'en plus, voilà, là tu es vraiment t'es sur la mise en place en aplats pour pouvoir faire effectivement ce qu'on appelait la préparation d'aplats, pouvoir faire des zones plus faciles à découper. Alors, c'est une phase qui est assez... Au final, qui prend... Bon, là, on voit le temps que j'ai passé sur cette case, mais qui peut prendre pas mal de temps sur la préparation d'une planche. Ouais, si t'as des détails. Donc, voilà, si on a des détails, en plus avec mon dessin, où justement, c'est pas fermé. Donc, moi, je sais que je confie ça à quelqu'un qui va le gérer, qui est spécialisé et qui va beaucoup plus vite que moi. Donc, c'est pas... peut-être moins de scrupules aussi dessus. Oui, c'est ça, et puis qui sera efficace, beaucoup plus efficace. Et moi, je préfère me consacrer à l'éclairage, les volumes, l'ombre, les textures, etc. Mais voilà, ça, c'est une phase très très importante qui facilite après la vie quand on fait la couleur. Donc voilà, il y a des gens qui s'occupent de cette partie-là, qu'on appelle aplatiste, aplatisseur, aplaneur. Ça n'a pas de terme. Préparateur d'aplat. Préparateur d'aplat. Voilà. voilà, alors, les aplats pour cette case sont terminés. Donc, il y a le fond, il y a le décor, il y a les personnages. Bon, il faut faire ça sur toute la planche. Donc, je vous montre ce que ça donne quand il y a toute la planche. Bon, quand il y a toute la planche, ça fait ça. Voilà. Il est hyper rapide, ton préparateur d'aplat. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Parce qu'en un clic. Ah, ouais, c'est magique. Je le fais. Hein. Ouais, ils sont magiques, c'est magique. Donc voilà, voilà ce que ça peut donner une fois que les aplats sont terminés. Donc une fois que les aplats sont terminés, eh bien, on va travailler les volumes. Ouais. Donc moi je fais ça simplement, je fais un dégradé qui. En fait, j'enlève la lumière sur l'ombre. Donc je vais d'abord mettre mes ombres partout. Par des dégradés, et puis après je viendrai travailler et enlever et rajouter de la lumière en enlevant de l'ombre. Du coup, tu te fais un calque spécial pour les ombres, où il est déjà créé d'ailleurs dans le fameux script de départ. Non, pour l'instant je le fais sur l'instant, c'est pas préparé. Ouais. Je pourrais. En fait, quand j'ai des là on peut faire encore plus compliqué en termes de colo. J'avais des textures dans les ombres, dans les éclairages, où j'avais déjà tout préparé, puisque mes textures étaient déjà tributaires des calques. Là, on ne va pas mettre de texture dans la texture générale, mais c'est effectivement, je peux mettre des textures un peu partout sinon. Donc, je vais commencer par le plus facile, l'éclairage de la voile. Donc, je vais faire une petite zone de sélection. Je vais prendre mon outil dégradé, si j'arrive à l'avoir. Oh yes, ah, c'est bon, je l'ai. Alors, la colo, ce qui est important, c'est effectivement de rendre les choses lisibles. Donc, pour rendre les choses lisibles, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on va voir en premier dans une BD, ce sont les personnages. Ouais. Donc, on va faire en sorte de dégager les personnages du décor. Donc, les décors, je vais plutôt les refroidir et les personnages, je vais plutôt les réchauffer. Donc, les ombres des décors, je vais choisir une sorte de un petit marron plus froid que celui que je mettrai plus tard sur les personnages. Donc, je vais monter un petit peu vers le jaune. Voilà. Et là, je vais faire mon dégradé. On va dire que la lumière vient depuis haut gauche. D'accord. Donc, je vais faire mon dégradé. Le dégradé, il est du transparent à la couleur. À la même couleur. À la même couleur. C'est pas couleur de fond, couleur de premier plan. C'est du transparent à la couleur de premier plan. Donc là, c'est pas très très foncé, hein. Je sais pas si ça se voit bien. Après, je me suis planté, parce que je l'ai mis sur le décor. Donc c'est normal. Donc je vais créer
un calque. Toujours on a mis ces calques. Voilà, comme ça on est bien. Et là, je fais mon petit dégradé. Donc là, on voit bien que le dégradé, il est... Et en plus, il n'est pas dans le bon sens, puisque je voudrais qu'en haut, ce soit plus clair qu'en bas. Sur cette partie du décor, parce qu'on verra sur le personnage, je vais faire le contraire. Je vais faire un calque décrétage, donc avec Alt à la jonction des deux calques, je vais le rendre solidaire, pour que ça ne s'applique que sur, sur la zone de décor. Ouais. Mais ça, si le décor, il y avait plusieurs bouts, ça se serait appliqué sur tout le décor. Sur l'ensemble des éléments qui sont sur ce calque-là. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, tout ce qui est masque décrétage? Oui, a priori, vous êtes... C'est bon? Ouais, ça tient. Et là, je vais faire un masque dans l'ombre. Et je vais venir travailler en niveau de gris. Je vais prendre ma petite brosse magique, puisque j'ai fini là, avec les aplats. Ma petite brosse, forme générale, brush, hop, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle est bien. Et je vais enlever un petit peu d'ombre en haut pour faire un petit volume. Donc je vais doubler mon... je vais augmenter l'intensité de l'ombre. Ouais. Parce que... Que tu vas récupérer en... Hop. Pour bien la montrer, sinon on la voit pas bien, j'ai l'impression. Voilà. Alors. Ne faites pas ça chez vous. Chez vous, vous faites du subtil. Voilà, voilà. Là, c'est vraiment pour montrer. Alors, faut pas hésiter à... Pour rappel, hein, l'album est déjà imprimé. Il y a déjà eu les couleurs dessus. On comparera à la fin. Ce que t'as fait aujourd'hui avec du plus violent pour que ça se voit bien, etc. Non, mais de toute façon, après, il y aura la comparaison avec les véritables couleurs de Gaëtan. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, la voile, pour moi, là, l'ombrage est terminé. Pour moi, ça me suffit. Je vais faire la même chose sur le personnage. Sur les personnages. Et là, comme il est à contre-jour, le soleil vient en haut à gauche. Là, je vais appliquer l'ombrage différemment. Je vais mettre plus foncé en haut à gauche qu'en bas, puisque le contre-jour, il est en haut à gauche, vu que le soleil est en haut à gauche. Donc, je recrée un petit calque que je renomme. Ombre. Bon, après, on peut mettre ombre personnage, ombre perso, hein, c'est mieux. Je peins, donc là, le contraire. Voilà. Et je me suis pas mis dans le calque. Ici, donc là c'est bon. Okay. Mon petit calque décrétage pour pouvoir récupérer. Décrétage. Hop, mon petit masque. Et là, je me mets, chose que j'ai oublié tout à l'heure, en produit. Est-ce que je m'étais mis en produit tout à l'heure? Non, j'étais en normal et je vais me mettre en produit. Voilà, comme ça on a les teintes qui du dessous qui ressurgissent. Allez, j'attaque le modelage, je me mets un petit peu plus gros. Crayon nous demande, est-ce qu'on peut, comme en tradi, superposer la couleur complémentaire pour ombrer? Ouais, sans souci. Mais évidemment. Il y a pas de... Au contraire. Non, mais c'est bien, ouais. C'est le gros avantage de tout ça, c'est que Photoshop a quand même été beaucoup basé sur ce qu'on était capable de faire en tradi en termes de couleurs. Oui. Il a rajouté des possibilités, parce que c'est beaucoup plus difficile d'éclairer en tradi que d'ombrer. Mais du coup, ouais, bien sûr, évidemment, vous pouvez faire ça. Stéphane nous relance le lien des brosses de Kyle Webster pour tous les abonnés Creative Cloud, si vous en avez besoin. Ouais, de toute façon, ça, ce sont les brosses de Kyle aussi que j'utilise. Hein. Alors, j'enlève un truc que je voulais pas vous montrer, mais qui était là depuis le début. Alors, si je tire la langue en dessinant, c'est normal. Tu veux que je te remette en gros plan? Non, ça va aller. C'est parce que tu t'appliques, c'est bien. C'est parce que je m'applique. Je fais comme les petits-enfants. Donc, comme la lumière vient de derrière, ça m'arrange, je fais que des petits rayons pour souligner juste les formes du visage ou les formes anatomiques. Je n'en fais pas beaucoup. Alors, là, pour moi, c'est bon. Là, sur ces aplats, j'avais pas fait les lèvres, il me semble. Bon, du coup, je vais mettre au-dessus des persos et je vais rajouter
Un petit peu de couleur sur les lèvres. Il y a des questions ? Pour l'instant, tout va bien. Il y a Stéphane qui complète toutes les informations. Sur les brosses de Kyle, sur le menu en haut à droite, panneau de pinceau et obtenir plus de pinceau. Je vais atténuer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai en gros ma lumière. Si on regarde, voilà. Et j'ai pas besoin de d'aller plus loin. Ça sert pas à grand chose. Après, maintenant, on va travailler d'autres choses. Alors, au-dessus du fond, qui est ici, ben, je vais aller chercher une texture de ciel que j'ai dans un petit répertoire. Donc, je sais pas, on va prendre celui-là. Là. Voilà, qui est pas mal. Alors, image, hop, je vais l'inverser parce que j'aimerais bien que. Quoique, non, ça va aller. Donc, je prends une zone, hein, ou même je vais le prendre en entier. Contrôle A, C. Et là, je vais créer, mais ça sert à rien. Voilà, donc là, maintenant. Je vais trouver une zone qui m'intéresse dans ce ciel. C'est magique, hein. Donc là... Oui, il a quand même fallu le faire au départ, le ciel. Pardon ? Il a quand même fallu le faire au départ, choisir le bon... les bonnes textures. Oui, il a fallu trouver la bonne texture sur Internet, bien sûr, évidemment. Hop ! Je reviens, je fais un masque... Enfin, je fais un masque pour délimiter les contours. Je veux pas qu'il bave sur les autres cases, hein. Donc là... J'ai mon ciel, alors est-ce que je veux qu'il prenne un petit peu la teinte de fond ? Donc je vais choisir un mode de fusion qui pourrait être intéressant. Bon, peut-être que ça ne marchera pas, hein, on va voir. On va faire cycler hein, les modes de fusion. C'est pas mal ça, on va voir. Est-ce que tu as déjà tes modes de fusion favoris et du coup tu passes de l'un à l'autre ? Incrustation, c'est pas mal. On va voir là. En général, l'incrustation c'est bien. Mais ouais, on a toujours les modes de fusion qui vont ajouter de la couleur, les modes de fusion qui vont ajouter du blanc, ajouter de la lumière donc. Ouais. Et incrustation qui va faire un peu des deux. J'arrive enfin, c'est dommage. Alors c'est pas encore complètement la fin, David. Il reste encore une petite vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'on ait trop faim, nous, pour le coup. Ouais. Hop. On aurait pas dû caler avant. Ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, j'ai mon petit ciel. Alors maintenant, là j'ai fait que de l'ombre, donc j'aimerais bien rajouter un petit peu de lumière. Donc ce que je fais, comme j'ai déjà... bon, c'est là où je vais peut-être perdre des gens. Comme j'ai déjà mon ombre, au final, si je veux ma lumière, il suffit que je capture mon masque d'ombre, que j'inverse, et que j'applique un dégradé de lumière à l'intérieur. Nickel. Bah, alors, on va faire... Je vais faire ça sur la voile, là. Pour qu'on voit ce que je fais. Donc, je vais choisir une lumière plutôt chaude. Hein. Je peux la saturer, c'est pas bien grave. De toute façon, avec les modes de fusion, ça ira. Je fais un petit dégradé. Alors là, c'est rigolo parce que du coup, on voit que le dégradé part sur toute la planche. Pas vraiment sur toute la planche, pas de sélection en amont. Pour l'instant, il n'y a pas de sélection. Je vais récupérer la sélection de l'ombre en faisant contrôle sur l'ombre et je l'inverse. Donc, comme j'inverse, j'ai la sélection de la lumière. Et là, j'applique le masque. Et du coup, tu as juste rajouté cette zone-là, voilà. Sans avoir à refaire deux fois le masque. C'est ça. Et après, là, je peux gérer... déjà, le mode de fusion, je vais mettre en incrustation. Pourquoi ça a piqué là-haut ? Ah oui, bah parce que de toute façon, il faut que j'élimine aussi là. Donc, le sommet du contour. Ça donne un autre style.
Et si je supprime en noir, là, je suis bon. Ouais, parfait, c'est bon. Donc là, j'ai ma lumière ici que je peux gérer comme je veux. En termes d'opacité, ouais, en termes de mélange dessus. Voilà, et puis je peux aussi retravailler dans le masque, si je veux, pour éliminer. Ce qui est intéressant, c'est à la limite de l'ombre et de la lumière, d'avoir une teinte un tout petit peu différente. Alors, il y a David qui nous dit, j'imagine que il a appris à ancrer, à colorer, éclairer directement sous Illustrator. Ouais. Et nous demande les différences. Alors les différences, alors, effectivement, quand vous êtes sur Illustrator, comme vous allez vraiment faire de la sélection de formes sans doute un petit peu plus simple, vous allez gagner du temps sur certaines choses, comme les choix de couleurs. Je trouve que dans Illustrator, le moteur de préparation des couleurs est vraiment plus balèze, parce qu'on peut sélectionner toutes des zones. De toute façon, on peut faire un nuancier. Moi, j'utilise pas de nuancier, mais on peut faire un nuancier avec des couleurs déjà prédéfinies. Hein. Ouais. Et après, par contre, effectivement, la partie texture, dans Photoshop, elle sera plus facile à gérer, parce qu'on va la gérer à la tablette, on va la gérer avec la finesse du pinceau dessus, pour pouvoir récupérer ça. Si vous êtes intéressé, j'ai eu une session avec Maïté Franqui il y a quelques temps, sur justement le passage d'Illustrator à Photoshop, pour tout ce qui est ombré, etc. Mm-hmm. Et j'en aurai une avec Clément Barbé jeudi 10h30, donc... les gens qui viennent d'Illustrator. Donc pour la lumière, je fais la même chose sur les personnages. Hein. Mm-hmm. Donc je fais mon petit dégradé. J'étais en sélection, Hop, j'ai... Voilà, on voit que c'est sur tout. Hein. Mm-hmm. Contrôle-clic sur le calque. Contrôle sur le calque ombre. Contrôle-mach-i, point inversé. C'est le calque. Et voilà. Et du coup, là, on récupère vraiment la lumière qui est boostée aux endroits où il n'y a pas d'ombre. C'est ça. Qu'on peut atténuer. Ici, par exemple, c'est un peu trop fort. Donc, je l'atténue un petit peu. Bon, c'est subtil à l'écran, mais c'est subtil. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai déjà quelque chose de bien. Et au-dessus de tout ça, surtout... Non, pas surtout. Au niveau des décors, je vais rajouter des petites pétouilles. Hop. Bon, j'ai une petite brosse, une brosse magique aussi. Brosse à rajouter des pétouilles. Une brosse à rajouter des pétouilles. On a fait plein d'outils pour corriger les pétouilles, et toi, tu as une brosse à rajouter des pétouilles. Ouais, c'est ça. Qui est Est-ce que je vais la trouver, ma brosse à pétouilles? Sinon, je vais inventer des pétouilles. Ah, c'est... Un jour, on aura une loupe et une recherche dans les brosses. Ce sera quand même vachement pratique pour les gens qui ont chargé le millier de brosses de Kyle Webster. Ce sera vraiment très bien. Je vais la trouver, là. La brosse à pétouille. Ouais, je vois que Mathieu trouve que c'est pas pratique le fait de ne pas pouvoir sur Mac bouger le mode de fusion flèche haut ou bas. Moi, je vous avoue que sur Mac, je suis assez content avec le. Ah, c'est bien, les gens ont vu que je faisais ça avec les petites flèches. Ouais, ouais. Non, c'est parce que Stéphane a complété un petit peu. Ah, c'est pour ça. Ouais. Non, les gens. Bon, j'ai des petits splatters, on va faire. Bon, voilà. Petits splatters pour redonner un peu de matière, un peu. Je vais le mettre en produit. Voilà. Merci Alexandre pour la session de jeudi, et pour la session avec Maïté Franqui. Hop. Et pour Nolwenn qui dit qu'elle arrive seulement maintenant et qu'elle va reprendre le replay depuis le début, il faut reprendre le replay depuis la session 1 qui a eu lieu il y a un mois et demi quand même. Donc, je vais rajouter des petits splatters aussi sur les personnages. Hop. Mais pas trop, parce que sur les persos, ça va pas forcément le faire. Oui, de toute façon, il y a toujours un choix à faire, un arbitrage entre rajouter de la matière et perdre de la lisibilité. C'est ça. Et puis, globalement, je vais prendre une brosse et je vais redessiner un petit peu dessus. Je vais rajouter un petit peu de rose sur les joues. En changeant de brosse, évidemment. Du rose plater dessus. Ouais, effectivement, Stéphane recommande le Magic Squire d'Anastasie pour les... Le quoi ?
pour le moteur de brosse plus avancé, enfin le panneau de brosse plus avancé, il y a Anastasie qui a évidemment fait ça. Il y a le Brush Box aussi qui est disponible sur Gumroad. Je renforce un petit peu les ombres par endroit quand je trouve qu'il n'y en a pas assez. Notre produit. Parce que vous pouvez toujours à tout moment rajouter des extensions dans Photoshop aussi. C'est aussi l'intérêt de l'appli. Non seulement il fait beaucoup de choses, mais en plus il y a aussi énormément de contenus qui ont été rajoutés par les utilisateurs hardcore et qui ont pris le temps justement de faire ça pour vous. Hop, les ombres, je rajoute quelques petits trucs. Je brosse des poils. Et les outils de Sergueï. Hop, je diminue un petit peu. Il ne faut pas que ce soit trop présent. Et c'est-à-dire qu'on était vraiment sur des éléments complètement en aplat, et là tu nous as redonné d'abord du volume avec l'ombre et la lumière, et de la matière, de l'épaisseur. C'est ça. Bon, la brosse est extrêmement texturée. Mmh. On peut prendre des brosses un petit peu moins texturées aussi. Hein, c'est pas... Hop, là, je vais retravailler dessus parce que ça fait pas des poils, c'est pas très joli, c'est un peu flou. Faut que ça vibre, hein, les couleurs, donc faut pas hésiter. Enfin, dans ce mode de colo, dans ce type de colo, hein, faut que ça fasse radis, faut que ça vibre un petit peu. De toute façon, à la fin, on appliquera une texture qui fera que ça va vibrer encore plus. Là, je vais faire des petits rayons. Retrouver des petits points de lumière, des petites approches. C'est là qu'on voit que ma vue baisse, hein, parce que c'est écrit vraiment petit. Hein. Alors, sur les dernières versions de Photoshop, ils ont mis à jour le fait que tu puisses augmenter la taille de ton interface. Ouais, c'est des gros boutons taille Smoby qui aident les personnes d'un certain âge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ceux qui ont été obligés de se rapprocher de leur écran pour voir les icônes, vous êtes concernés aussi. On est tous concernés. Hein. Avec les écrans 4K, c'est une catastrophe. C'est ça. Hop, on va rajouter un petit peu sur les lèvres. C'est vraiment très franc. Là, on entre dans le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure de la session. Donc attention, si vous avez des questions spécifiques, posez-les avant qu'on soit dans les dernières 3 minutes où on répondra en bâclant. Voilà. Alors, et le petit truc qui fait toute la différence. C'est un petit peu de froid, on va rajouter un petit peu un petit éclairage qui vient du bas avec des bleus pour décoller un petit peu le visage du fond. Et pour que ça vibre, que ça fasse chaud-froid. Et ben voilà. Nice. Voilà. Et chose magique, ouais. J'applique mes deux petites textures par-dessus et on a vraiment l'impression que c'est de l'aquarelle. Donc il y a une texture de papier. Qui a une petite trame de papier un petit peu aléatoire, et puis il y a une texture qui fait des auréoles. Si je l'affiche, on voit comment elle est. Ouais, où t'es déjà allé. Ouais, il y a des petites auréoles.
si j'affiche l'autre. L'autre, c'est vraiment du papier non uniforme, justement, pour créer un petit peu de disparité et de naturel. Et voilà. Donc, voilà la case. Vas-y. Hop. J'appuie sur J au passage, tu feras gaffe si je change. Ouais, t'as changé le type. Voilà ce que ça donne. Très bien. Ça tourne. Ben voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Est-ce qu'il y a des questions autres que sur les lunettes et les lentilles ? Pourquoi il y a des questions sur les lunettes et les lentilles ? Non, pas encore. Non, pas encore, ça pourrait. Hein ? Ben voilà, on a réussi à... Enfin, tu as réussi à aller au bout de la fameuse planche. Ouais. Question d'Alexandre, qui a le dernier mot sur la couleur ? Sur un album, quand on fait pas les couleurs ? Ouais. Bah, en général, c'est... on va dire que c'est pour relativement honnête, c'est le dessinateur. Mais ouais. Après, c'est de la diplomatie. Enfin, c'est une interaction entre deux personnes. Donc, oui, de toute façon, c'est un projet à deux, donc il y a forcément... Puis, il y a un apport du coloriste. Enfin, il faut qu'il y ait quand même une certaine osmose. Sinon, au final, on travaille pas avec quelqu'un qui on s'entend pas. Mm-hmm. Et si on va pas dans la même direction, donc oui, c'est le dessinateur. Qui a à part si le coloriste a un très fort caractère. Et si ça vous clash, mais non, non. Un caractère de cochon ou pas ? Est-ce que tu connais Non, non, je ne connais pas de personne avec des caractères de cochon qui soit coloriste. Non, mais après, c'est une collaboration. Hein, donc, même avec le scénariste, avec le coloriste, avec tout le monde, c'est une collaboration avec l'éditeur. Ouais, c'est vraiment donc, le dernier mot, je ne sais pas si ça se pose dans ces conditions-là, mais. C'est surtout une collaboration. Après, oui, le Final Cut, c'est le dessinateur dans tous les cas. Et c'est lui qui livre au final le fichier. Le fichier. Bon, bien que les coloristes, quand on leur dit OK, c'est eux qui, ça va être à eux de livrer les fichiers. Mais, bon, pour la question, voilà. Alors, je vous montre la. La planche officielle. La planche faite par. C'est celle qu'on retrouve dans le livre. Celle qu'on retrouve dans le livre, faite par un pro. Voilà, c'est fait par Gaëtan Georges. Gaëtan Georges. L'album. Il est cité sur le. Sur le site du Lombard, je vois. J'imagine. Hein. Donc vous voyez la première case hein, que je n'ai pas faite, avec justement toutes ces petites textures et ces toutes petites nuances de vert qui sont super. Hein, vraiment, ils travaillent, hein, c'est super. Pareil dans la mer, plein de petites nuances. Et là, il a fait des choix différents que j'ai fait, mais globalement, ça... Bon, de toute façon, le dessin est là, donc on peut pas non plus faire totalement n'importe quoi, mais c'est vrai, moi, je lui avais indiqué de faire un contre-jour, donc c'est un contre-jour aussi. Sauf que là, en plus, il y a personne qui lui pose des questions pendant qu'il est en train de bosser. C'est ça. Puis il a les bonnes brosses, il a sa bonne config, il a tout. Alors tiens, il y a Bruno qui nous dit tiens, il a un souci sur Photoshop qui ne conserve pas les outils prédéfinis et qu'il est obligé de les charger à chaque ouverture de Photoshop, ce qui doit être pénible. Faut pas hésiter dans ces cas-là. Alors moi, je vous donne toujours ce lien-là. Je vais partager un bout de mon écran, check comme ça. Je vous donne toujours le lien vers feedback.photoshop.com. Quand vous avez un truc qui coince dans Photoshop, vous allez sur feedback.photoshop.com et vous cherchez votre problème parce que Si vous l'avez le jour même du lancement, il y a de grandes chances que vous soyez peut-être dans les premiers à l'avoir. Et si vous êtes, si on est à quelques semaines d'une nouvelle version, il y a des chances que d'autres aient déjà voté. Vous pouvez rajouter des exemples, vous pouvez présenter, rajouter des copies d'écran, des captures d'écran quand vous avez un souci. Vous pouvez voter sur un bug parce que plus il y a de gens qui ont le même problème, plus vous allez avoir de, plus vous allez, enfin plus vous serez entendu. Voilà. Voilà, c'est juste une question de priorité. Oui, c'est ça. Donc feedback.photoshop.com. Stéphane veut lancer un concours pour faire deviner ce que représente ton t-shirt. Fan de Joy Jonathan nous demande Axe. Pourquoi tu es Joy Jonathan? Joy là. Eh non. Non, c'est pas ça. Non. Mais du coup, c'est un concours. Mais c'est un vrai concours. Je peux participer ou pas? Tu peux participer, mais toi, tu sais comment tu t'es habillé ce matin, ça compte pas. David demandait si les textures étaient libres d'accès. Moi, ce que j'ai remarqué sur beaucoup d'artistes,
c'est que la partie texture, vous avez tendance à fabriquer une série, ouais. Comme ça c'est à vous, vous n'êtes pas embêté, il n'y a pas de... Ouais. On prend son aquarelle, puis on fait des patouilles, et puis... Non, je sais que Bruno, par exemple, il en fait énormément, il doit s'adapter à plusieurs types de colos différentes, il a les fonds, les textures qui vont avec ce type de colo, etc., de l'aquarelle, de l'acrylique... Carrément. Pour le partage des revenus d'un BDiste ou pourcentage des ventes ou des droits d'auteur à qui ils appartiennent, à l'éditeur ou à l'auteur, ça dépend du contrat. Ça dépend aussi, on a de plus en plus maintenant de syndications dans la bande dessinée française. Ouais, il y a le Snack BD qui fait un énorme travail en ce moment. Il y a aussi la Ligue des auteurs professionnels. Parce qu'effectivement, la vie actuelle de l'auteur de BD est de plus en plus difficile. Ils ont changé plein de choses dans notre comptabilité, dans notre sécurité sociale, dans dans notre retraite. On a été les premiers à partir sur un système à points. Le SNAC et la Ligue des auteurs professionnels nous défendent. Sinon, là, il y avait une première question, c'était... tu avais commencé par une première question... Oui, à répartition. Répartition des pourcentages. Normalement, c'est au niveau. En fait, ce qui se passe, il y a plusieurs types de rémunération. Il y a les avances sur droit, il y a les droits d'auteur, il y a le fixe. Le fixe, c'est de plus en plus rare. Hein, c'est-à-dire qu'on nous rémunère et l'éditeur ne se rattrape pas sur nos droits d'auteur. C'est-à-dire c'est une somme qu'on nous donne pour la préparation de la BD. Après, il y a les avances sur droit. C'est une somme qu'on nous donne, mais que l'éditeur récupère sur la vente des premiers exemplaires, sur les droits d'auteur. Et puis après, il y a des droits d'auteur sans avance. Mais sinon, la répartition des avances ou du fixe, en général, c'est un tiers, deux tiers. Mais après, la rémunération des droits d'auteur, à partir du moment où les avances sont remboursées, c'est 50-50. Je parle du scénariste-dessinateur. Après, le coloriste, c'est rare, mais il faudrait que ça se démocratise un peu. Un réel apport en termes narratifs au niveau de la bande dessinée, il y a un réel travail. C'est vrai que ça serait bien qu'il puisse prétendre plus largement à une part des droits d'auteur, mais après c'est toujours la même chose, c'est le principe des vases communicants. C'est-à-dire que s'il y en a moins. Déjà que les auteurs n'en ont pas beaucoup, est-ce que c'est les auteurs qui vont donner ? L'éditeur fera pas. Ça dépend, l'éditeur pourrait aussi, ça ferait partie des prochaines revendications qui pourraient être intéressantes. Les grandes discussions justement, parce qu'on a aussi de plus en plus les questions de réutilisation des droits d'une bande dessinée papier, l'impression vers le numérique, comment ça se répartit, quels sont les coûts, comment ils doivent être. Quand on fait une bande dessinée, il y a de plus en plus de supports. Et donc les droits d'auteur, normalement, sont faits pour payer. C'est quand l'éditeur, on leur donne juste le droit de dupliquer et d'utiliser. Ça nous appartient, mais l'éditeur, ce qui nous paye, c'est le droit d'imprimer, le droit de diffuser. Et comme il y a de plus en plus de moyens, on devrait être de plus en plus payé, mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est bien de pouvoir mentionner justement l'existence des syndicats. Oui, c'est très important, parce qu'en ce moment... Notamment pour les jeunes, je pense, parce qu'on a beaucoup ce phénomène, quand on sort d'école, on apprend beaucoup peut-être de techniques, où on découvre des copains, des groupes de travail, mais où on n'a pas forcément tout de suite les moyens de travailler ensemble et d'avoir les informations précises sur, un très vieux dessinateur BD qui a accumulé des milliers d'albums va avoir une notoriété qui lui permettra peut-être de travailler sans souci, alors que les jeunes vont se dire, tiens, au fait, combien ça coûte une planche, combien ça coûte une journée de ma vie, de mon travail, de ma sécurité, C'est un petit peu l'inconnu. Moi, je me rappelle de l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, donc on n'était pas au courant de ça. Si on ne rencontrait pas des auteurs, on ne pouvait pas savoir quel était le prix réel d'une planche, alors que maintenant, sur les forums, c'est vrai que toutes ces informations sont accessibles. Tout à fait. Écoute, merci en tout cas pour le complément. Je vois que ça discute de Blade Runner là-bas. Je pense qu'ils ont trouvé. Ça y est, c'est pas mal ça. Je pense que c'est. Mais après, c'est un peu. Mais quoi dans Blade Runner? Je pense que ça nous fait beaucoup de. Ça nous fait déjà un bon point. On se sent seul face à la MDA, mais la MDA va se sentir seule bientôt. Aussi va se sentir seul. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis ces deux fois. Est-ce que tous les gens qui sont là avaient déjà vu la première session ?
Est-ce que vous êtes content d'avoir eu une première session, puis une deuxième session? Je pense qu'on reviendra pour la fin du tome 38. C'est ça, ouais, pour la troisième session. C'est ça. On trouvera un nouvel angle. On trouvera un moyen, nouvel angle. Quelque chose à raconter. C'est ça. Voilà, bah merci beaucoup. Merci Fred. À tous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.